M sensé, m pa vreman retrouve nan aproche Fresnel li menm li fè e nan dokumen. Menm gen dè problem, personèlman, Boutis, koman ke, Boutis ou la? Nous là, Mè kontinu? et avant Ibo, avant que Wal réagisse, et on allait profiter de saluer coach Jean-Jacques Pierre, et Jean-Jacques qui a ensemble avec nous là, qui est déjà sous sou plateau là. On a salué coach là. Coach Jean-Jacques Pierre, nous sommes nous contents et pour nous retrouver à l'espace de sport réel. C'est la caillou, c'est pas pour la première fois que nous avons Pierre Jean-Jacques. Et Pierre Jean-Jacques qui a plus de 10-12 ans et nous toujours fait interview avec Jean-Jacques et Jean-Jacques toujours participé ensemble avec nous dans l'émission là. Mais je dis à la Jacques, coach là, c'est pas international haïtien non là. Je dis à la, c'est sous nous coach là, oui là. Coach là, nous comptons là pour nous retrouver. Coach, comment Bon. est-ce? Bonsoir Boutis, bonsoir Jimmy, tout intervenant qui est là ensemble avec nous, et puis bonsoir Haïti. C'est Donc. toujours un plaisir pour participer avec nous, pour échanger et surtout apprendre de tout ça qui est capable de dire pendant un petit moment que nous avons pour nous partager ensemble. Non? Mais c'est ça, nous comptons et pour nous retrouver dans l'espace là. Ibo, est-ce que Pierre Jean-Jacques, coach là? Oui, très bien. Moi, salut et Pierre Jean-Jacques. Donc, son plaisir pour nous venir sur le plateau Saint-Louis Dino TV et dans l'émission Sport Réel aujourd'hui. Hein. Donc, bon, ma connaissance Boutis et nous sommes contents de connaître tout le monde là. On a parlé de dossier football là, c'est pas vrai là, nous pas mal isolé Pierre, Oui, Pierre déjà la Cali là, c'est dans Formule oui. 1, ouais. On Oui, a tout à parlé de football là, il faut avancer. fait. Oui, tout à fait. Eh bien, bon, et quittez-moi. Profitez mandé Pierre Jean-Jacques pour en pile monde qui peut-être gagne un bon petit temps yo pas attendre puisque Jean-Jacques pas intervenu assez souvent dans sa qui a rapport avec sport et surtout et en Haïti et comment est gagne Pierre Jean-Jacques qui ça n'est pas réglé nous connaît des questions des licences d'entraîneur on prend en pile études on prend en pile formation et dans quel niveau nous est dans le domaine ça. Bon, c'est vrai que il y a un processus qui est logique. Pas bon ici là, il me passe pour tout côté tout. Une fois que on a fini carrière comme footballeur ou bien quel que soit domaine où tu es, objectif là c'est essayer d'apprendre pour capable si vous voulez rester sur terrain transmettre et si vous voulez aller dans l'autre activité surtout, mais apprendre de ça que vous avez fait demain si Dieu veut. Donc c'est là d'un moyen. On continue à pas apprendre. Il y a un pile niveau, tout dépend de carrière où tu es fait en tant que joueur. Et il y a chance que le nombre de matchs ou supposé gain comme professionnel qui permettent de rentrer directement dans des niveaux, qui fait que y a un processus qui est beaucoup plus court que majorité a. D'ailleurs, il y a un pile monde dans le football amateur qui a plein de ça, qui dit que. Footballeurs professionnels bénéficient de trop et passe droit dans ça qui est les accessions avec formation diplôme. Donc, c'est on doit que nous gagnons souterrain, même le gain pile nan yo qui jugeait que les surfaits. Un simple exemple, si journée aujourd'hui à Mbappé décide de rester carrière, il voulait passer diplôme entraîneur. Il pourra le passer dernier niveau directement comme balle d'or pour l'entraîner quelle que soit l'équipe qui est dans le monde là. Parce que il y a un nombre de sélections françaises qu'il supposait gagner, qui permettent de sauter toute première étape. Et qui pourra le faire dans la dernière étape là, ça que Zidane t'a fait, ça que Deschamps t'a fait, ça que Thierry Henry, Vieira, tout monsieur ça a fait. Donc, et c'est là d'un moyen. Donc, processus à l'irrité, en deux niveaux, DES et puis DEPF, pour me passer. Mais néanmoins, me passer, ça qui vient, pas facilité, mais qui vient, bon, moi, yon avance, ou bien peut-être, yon accession plus facile. C'est surtout expérience en tant que joueur et rapprochement que m'étais souvent gagné en tant que capitaine de tout entraîneur que tu as eu chance de passer avec eux, que ce soit en sélection ou bien en club.
Donc actuellement, oui, moi en tant qu'entraîneur, avec une connaissance sur la préparation physique aussi, et surtout, ma PC regarde pour moi tout, est-ce que je ne suis pas capable de venir comme un formateur, si demain je ne vais pas retenir dans le coaching, pour que ça ne va continuer dans le sens d'animer, de faire partie de staff formateur qui était animé en recyclage pour Ligue de Normandie en début octobre. Donc oui, ma PC, ça permet moi d'apprendre de dispositifs de formation qui existaient dans l'IGO par rapport avec des matchs de TN pour développement football là, donc n'a pas prendre. OK, mais pour le moment, en tant qu'entraîneur, dans quel niveau en France que ou habilité que ou capable et coacher? Est-ce que ou gain diplôme que ou capable coacher en première ou en deuxième? Dans Non, quel niveau? pour diplôme pour coacher en première, deuxième et troisième division, c'est DEPF. OK. Et ces diplômes que Jean comme ça dit au Taléa, il y a plusieurs étapes. C'est pour un entraîneur qui pas de professionnel en tant que joueur, il suppose entraîner en quatrième division pendant 5 ans. Et après, pour le passer, concours pour là, le passer DEPF. Là, nous-mêmes en tant qu'anciens joueurs, les antigens plus allégés. OK. Et c'est là encore, processus en France, là, il est compliqué parce que on gagne 10 candidats chaque année pour DEPF là, tandis qu'en Espagne, on gagne 10 candidats en France chaque année pour un coût de 26 000 euros le diplôme. Et en Espagne, on gagne 1 200 par région chaque année. Et c'est un diplôme qui a 2 500 euros, donc beaucoup plus accessible. Et ça te fait grimper l'entraîneur qui jugeait que le système français est beaucoup plus difficile. Mais et nous, résultat, on a regardé des quantités de nombre de jeunes français qui ont évolué dans 5 grands championnats. Donc formation à la française, là, c'est une formation qui plus en vue. C'est un pays qui vend plus jeunes. De haut niveau sur les 10 dernières années. Donc, ça vient et justifier difficulté que mon gain pour entrer. Donc, je n'ai aujourd'hui pas capable d'entraîner jusqu'en 5e et 4e division aussi. Et on a passé avec Fenel. Et Fenel, on a le Fenel. On connaît en Haïti. En Haïti, monsieur, il y a un. Oui. Je vais poser, écoute, Jean-Jacques, une petite question facile. Coach, bon non non, ou fait un pile bagarre ensemble avec nous dans la sélection nous hein? Et je dis ou à l'extérieur ou à former, qui rêve vous gagner même pour Haïti? Dis nous non. C'est pas plus son rêve, c'est plutôt un objectif ou plutôt des souhaits. Mon capable dit, c'est ouais que football là, les diriger de l'autre façon, ou peut-être nous bail, nous mettre football là à la hauteur de ça que le public là attend depuis longtemps. Pour qui ça, c'est un souhait, ma banne des exemples très clairs et concluants. Journée aujourd'hui, c'est pour majorité ou bien pour une grande majorité haïtienne, bagay assez expérience pour intégrer sélection en tant qu'entraîneur. Et là, je suis capable. Par contre, si c'est vraiment. Non, non. Non, non, c'est. Non, c'est juste. Faut que moi, j'étais réaliste. Même pas les deux réalités. Deschamps, le Deschamps prend Monaco, il a à peine sauté dans Malaga en tant que joueur. C'est pendant le Monaco, il a passé diplômé en tant qu'entraîneur. Et saison ça, je me rappelle, il finit avec Monaco en finale Ligue des Champions. Récemment, Pirlo, il a peine terminé et formation pour le Terna U23, il prend équipe première Juventus là. Donc, est-ce que c'est là qu'il n'y a pas nous obligés de passer 10 ans bah, qu'on est à entraîner pour capable peut-être gagner expérience, mais par qui ça nous définit expérience là? Est-ce que c'est connaissance du jeu? Est-ce que c'est connaissance terrain? Pas oublier que pour entraîneur, majorité entraîneur qui a entraîné dans l'équipe, grand pile monde qui parlait de Zidane dans Real Madrid, mais c'est parce que Zidane, il connaît qui ça Real Madrid bien besoin, parce qu'il te connaît en tant que joueur.
et en tant qu'entraîneur, li mette en place ça que peut-être li pat konjouan en tant que joueur qui vin ba li résultat. La même chose pour Deschamps, jounen jodi a m'pense si Deschamps vle arrêter, vle quitter sélection française là, fédération ou pas chercher peut-être Zidane, ou pas chercher peut-être yon français et qui capable de remplacer Zidane. La difficile pour chercher un étranger. Donc, et dans ce sens, ça, soit pas moi, c'est pas li pas sous moi-même, mais peut-être sous yon ancien joueur, côté et fédération capable de miser sous lui, ou bien Italie qui travaille longtemps dans la fédération, parce qu'il connaît besoin de football là très bien, et qui est capable et formé pour demain, li capable de porter expérience là en tant qu'entraîneur dans la sélection. Qui différence qui gagne, c'est une chance. Et là, on a parlé de une chance. On commence en sélection depuis en 99 avec Bernard Soyez et Emmanuel Sanon. Donc, de 99 à 2016, on compte tout entraîneur qui passe honnête. Qui différence qui gagne Blake Cantero, avec tout respect que je gagne pour lui, et un haïtien qui entraîneur. Seule différence, peut-être, c'est un Cubain. Et que le fait que c'est Cuba le sorti, yo, peu importe niveau le tap entraîné Cuba, nous dit que y a expérience pour l'entraîner sélection. Mais néanmoins, yon haïtien qui la caille nous, qui compte football là, qui compte culture football là, qui compte besoin jouer football yo, qui pas une barrière l'anglais, nous pas juger que li besoin expérience. Maintenant, pour moi, tout une question. Mais Jean-Jacques, je ne parle pas de niveau tout, Jean-Jacques. Oui, on parle de parler de niveau, on dit que entraîneur que nous Haïti n'a pas gagné assez de papier pour entraîner sélection noire. Oui, mais c'est là que c'est là, c'est là me devrait arriver. Qui monde qui bat au papier parce que comment s'appelle entraîneur adjoint Morissette, il était entraîné sélection contre et le nous éliminer. Morissette est entraîné, donc Morissette n'a pas papier. Si Morissette n'a pas papier, à partir de qui ça? Je me rappelle que Maxime Auguste, un simple exemple, il participe en tant que formateur pour tout entraîneur qui est à Haïti actuellement, mais Maxime Auguste, ce qui veut dire Maxime Auguste n'a pas de niveau pour entraîner dans la sélection junior. Est-ce que vous êtes obligé à chercher un Vénézuélien? Est-ce que vous êtes obligé à chercher un Français peut-être qui pourrait gagner une barrière? Parce que Le pas oublier majorité cubain qui vient à Haïti yo gen un traducteur. Et différence qui gagne entre yon entraîneur kap di joueur et kap ba joueur yon consigne dans langue et maman n'a pas parlé là. Et joueur li plus facile pour consigne entraîneur tête li que c'est le traducteur vient traduire parce que traducteur li pas traduit même genre entraîneur. Traduction li pas jamais gagné me fait expérience là avec Castelli. Et me déconne pas l'espagnol, mais le Castelli a parlé, parfois il préfère que ces joueurs qui traduisent pour l'autre joueur parce que il y a un langage footballistique qui allait plus vite. Donc vrai problème que Jounen Jodi a nous gagné, c'est nous pas gagné vraiment un représentant et qui connaît football là vraiment dans la sélection. Il est capable moi-même, il est capable et Bouini, il est capable et Itala, il est capable Jean Roland, il est capable Edi César. Parce que culturellement, haïtien, il y a une façon pour le comprendre, là, il y a une façon que l'étendait et consigne ça que l'entraîneur Abdia. Un premier exemple, rapidement. Qui est entraîneur adjoint qui était ensemble avec Makola, il n'a pas eu aucune influence sous jouet et ni sous proposition de sélection de joueurs. Zéro. Et c'est peut-être une raison qui fait que Makola, à chaque fois qu'il parlait avec moi, c'est l'édim depuis 2 ans, m'était supposé. Normalement, on était supposé dans la sélection avec lui dans Staffa depuis 2 ans. Que ces deux ans le perdu, malheureusement. Parce que pour lui-même, et naturellement, selon lui-même, on a un respect joyeux, on connaît le football haïtien et on connaît besoin et sélection organe. Donc, bref, tout ça pour me dire que on parlait pendant que on parlait de niveau. Le Tchali Eliazar et Songe commençait en 2001 en sélection. Qui expérience tu as en tant qu'entraîneur? Malgré le respect que tu as pour Tchacho et Songe.
t'es sorti aux États-Unis avec Songe. Et en 2001, directement, une fois que Mano quittait sélection après éliminatoire contre Honduras, là, c'est Tchatcho qui prend. Donc, si Jounen Jodia n'a pas les deux expériences, de sous qui ça nous basait pour expérience là. C'est ça qui est vraiment problème. Non. Après, peut-être, les gens que m'ont toujours dit là, Jimmy, souvent on a parlé, et me dit, Jimmy, Jounen Jodia, Moun, qui pourra le rentrer dans l'administration football haïtien, faut qu'il rentre déjà, faut qu'il adapte avec économie et pays, faut qu'il adapte avec mentalité pays. Parce que Jounen Jodia, ou pas capable vle pour club haïtien fonctionner normalement, genre que club bio t'a supposé fonctionner. Peut-être que ça me dit à très dur, ou bien peut-être que je suis capable. Pas assez du tout, mais réalité a fait connaître que administrativement, pas un club qui en règle Haïti. Pierre, Malgré, pardon, malgré Jean-Jacques. sa FIFA tellement des fédérations depuis en 2015, pour tout club bio, administrativement, mettez en règle. Oui. Jean-Jacques, motion, s'il vous plaît. Alors, Gombaga vous dit là, moi, est-ce que c'est pas un verse là d'Adouye? Par exemple, est-ce que c'est Moun qui va rentrer à qui pour adapter avec système d'argent que vous dites, et question économie, tout ça, ou bien est-ce que c'est un monde nous besoin qui pouvait rentrer, qui pouvait changer d'oignon, pour venir faire club yo adapté yo vraiment avec système football mondial là, essayer ouais, si capable de mettre nous sur marché économique là tout, parce que nous connaissons une situation extrêmement difficile dans le football là économiquement, mais pour nous essayer ouais, pour nous essayer moderniser club yo et faire moyen pour nous si au moins nous sommes capables de sembler avec club dominicain yo, en termes de professionnel, pas footballistiquement, mais économiquement et professionnellement, gens que vous comportez vis-à-vis des joueurs. L'inverse, oui et non. Après, ça que me parlait de prise de conscience, là, hein, ma banne un simple exemple. Selon, baguette en tête directement et loi fiscale là, directement, pour ne pas banner nos chiffres là, mais fiscalement parlant, toute entreprise qui fait un don, ou bien si une entreprise demain, si Dieu veut, décider bah, à ASC 10 000 dollars américains, leur entreprise ça a payé taxe à l'État. L'État a remboursé 66% de 10 000 dollars à l'ASCA. C'est fiscalement, c'est réglé. Sauf que, donc, nous venons dire que les vins faciles pour une entreprise supporter un club. Sauf que si nous regardons la réalité pays, leur entreprise gain pour le payer l'État 20 millions de gouttes de taxes, entreprise a gain 50 000 façons pour le payer 2 millions et au lieu de 20 millions. Donc, il n'y a pas besoin foot, il n'y a pas besoin club football là qui pouvait me balayer 66%. Vous comprenez? Donc, ça que Navdia, c'est que déjà au niveau des lois et la fiscalité, je pensais grand pile bagage. Après, là, on m'a parlé administrativement en club bio. Qui est-ce qui est responsable, et, par exemple, marketing dans le club bio? Parce que le grand pile monde qui a dit. Oui, secteur privé a pas été le football là. En sérieux. Pour exemple, et tout le monde qui sous panel là. Nous, pendant 20 ans, on a travaillé bien dur pour famille nous, pour être capable de gagner une vie stable. Et puis, parce que nous aimons le football, tout ça que nous finirons du travail pendant 20 ans, on va le mettre dans le football là. Tandis que, pas de monde qui vient dans le stade, parce que qualité de jeu sur les 10 dernières années, il baissait. Même la sélection a fait résultat, mais niveau de jeu local là, par rapport avec ça que nous te connais, et c'est pas même football là, c'est bien malheureux. Donc, qui avantage un club, journée aujourd'hui, à bail une entreprise? Qui ça un club là capable de vendre l'entreprise là pour dire entreprise là, viens investir? Parce que tout le monde qui va l'investir, il y a peut-être un retour à l'investissement, quel que soit le monde. Non. Quel que soit même président club, aujourd'hui, il a espéré que demain, il y a un jeune joueur qui arrive percer et qu'il va venir à l'étranger, que au moins il rentre au minimum dans toute seule à dépenser là. Donc, il y a un retour à l'investissement. Aujourd'hui, c'est administrativement parlant, qui ça un club par rapport à ça qu'il a produit en tant que jeu, qui ça un club
capable bay yo en prend akaye qui n'en compte kakafla qui ça que akaye proposer yo entreprise jeune aujourd'hui pour capable sponsoriser parce que akaye a parti jeune aujourd'hui c'est peut-être président yo qui a rentré dans fond propre parce que football là il pas vraiment générer des fonds donc il est difficile si donc première base là nous voilà parti c'est augmenter niveau de jeu. C'est faut que pour niveau de jeu augmenter, faut que nombre de clubs soit réduit. On prend l'Allemagne, on prend la France par exemple, qui gagne 70 millions d'habitants, il y a pensé pour descendre à 18 clubs en Ligue 1. Haïti, si nous fait 70 millions divisé par 12, nous presque à 5 fois. Donc, ou pas qu'à dire que on gagne assez de footballeurs de niveau pour évoluer dans première division. Tandis qu'on gagne 5 fois et au niveau de la population, on gagne 5 fois moins. Donc, il est difficile dans ce qui veut dire qualité, talent, il y a éparpillé un petit peu partout. En 2012, dans une réunion tripartite qui était gagnée entre fédération, la FIFA et ministère des Sports, il était question que nous passions de 14, nous étions à 16, il était question que nous passions de 16 à 14, et l'année d'après, nous passer de 14 à 12 pour nous stable et une première division à 12 équipes pour augmenter niveau A. Et surtout, réduire couillot, parce que là, il faut savoir, leur équipe a sauté au cap et il gagne 15 matchs pour jouer. Donc, si que gagne 18 équipes, donc il gagne 17 matchs pour jouer, il gagne 17 déplacements pour le faire tout. Même le gain ASC, même le gain Real du Cap, même le gain FICA, donc on équipe ça, ok, il y a deux déplacements qui sont parfaits. Mais leur équipe a sauté au Cap pour aller au CAI, c'est un code qui dépensait. Leur équipe a sauté au CAI pour la faire trois déplacements au Cap, et pour la faire un déplacement Gonaïve, deux déplacements Saint-Marc, un déplacement et Liancou, ça déjà, est-ce que et rentrer, tu rentres le fait dans le match, 10 grands noms qui viennent dans le match, capable. Donc, il vient difficile économiquement pour l'équipe là mettre joueur dans des conditions parce que économiquement, il n'y a pas de moyens. Et de deux, entraîneur pas qu'à exigeant parce que joueur n'est pas touché. Donc, pas de joueur qui n'est pas touché pour entraîneur à 10 joueurs, m'vlo dormi, bonheur, m'vlo al sorti, non. Si joueur ou pas payé ou pas carré bas l'exigence, sauf s'il t'a gagné conscience. J'ai bien vos émotions. Non, soit abdiant là, et je dis à tes gonds amicales entre Racing Junior de Gonaïve et Clair. Match là, pas arrivé jouer match amical là, parce que joueur Racing n'a pas touché. Dis-je pas qu'à dire rien, soit abdiant vraiment fort. Non, mais.